Pour le match, dans le tabac, il y a eu une balle de match, donc t'as réussi à effacer tout ça et à switcher un moment que ça se passe. C'est quoi pour toi la bascule? Elle se fait quand? Bah, il a commencé à donner un peu plus, j'ai essayé de jouer plus long parce que voilà, quand j'ai essayé de jouer de près, je jouais assez court et du coup il m'est rentré dedans, il a très bien, pendant 7,5, il jouait assez, je pouvais. Voilà, j'ai le début de match où je fais un premier jeu très timide, je rentre un peu mou, donc à part ce jeu-là, franchement, j'ai pas grand-chose à me reprocher, et lui, il joue très bien, mais je savais que, bah, à un moment donné, il allait se mettre à donner un peu plus forcément, donc heureusement, ça arrive au bon moment, donc j'ai pu revenir dans le match, mais voilà, il a joué un peu tout seul, donc je me suis battu, et j'ai essayé de la mettre dedans, et je savais que physiquement, après, j'allais être plus fort que lui et qu'il craquerait. Et voilà, s'il joue comme ça tout le temps, il doit pas être ici, hein, mais il n'a pas place à ce moment-là, franchement. Donc je savais qu'il allait forcément avoir un moment dans le match où j'allais avoir des opportunités. J'ai failli revenir, j'ai balle de break à 5-4 au premier. Je ne le fais pas, mais voilà, c'est dur de jouer contre ces joueurs-là, mais je suis très content de m'être sorti. Te voilà en demi ici à Orléans, où ça, ouais. C'est ta cinquième participation, c'est ouais. Ça, où ça s'était pas souvent ouais. Bien passé pour ouais, toi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette saison, enfin cette année en tout cas, ça se passe mieux? Bah déjà je me suis je suis bien entraîné, je suis bien dans ma tête, je sais ce que j'ai à faire sur le terrain, je pose pas de questions et voilà, j'ai mon plan de jeu, je me tiens et depuis le début de l'année ça marche, et puis voilà, je me bats bien, physiquement j'ai progressé aussi, donc ça fait que je sais que j'ai plusieurs armes pour gagner les matchs et voilà, au fil des victoires ça apporte de la confiance, donc voilà, mon jeu il est basé aussi là-dessus, donc c'est toujours plus facile, on va dire, de rentrer sur le terrain quand on est confiant avec des victoires derrière soi, donc c'est un peu pour ça aussi voilà que je gagne pas mal de matchs et maintenant faut continuer. Je commence à prendre conscience que voilà, j'ai le niveau pour aller sur les fins de semaine sur ces tournois-là et être plus haut, donc voilà, c'est une bonne chose d'être en demi cette semaine. Et demain, c'est Tristan, que tu connais très bien. Très bien. C'est ce qui nous a dit depuis gamin. Ouais, on est ville voisine, on a commencé à la Ligue ensemble. C'est un match particulier, il y aura une dimension C'est toujours particulier. D'habitude, je gérais mal ces matchs-là. Voilà, depuis cette année, quand je joue mes potes, il n'y a plus de. Voilà, j'en perds, hein, voilà, mais maintenant, c'est des vrais matchs. Et sur contre Tristan, je ne l'ai jamais battu, même depuis tout petit. Il a un an de plus et quand on est petit, c'est toujours le grand qu'on n'arrive jamais à battre. Donc, c'était lui, il était très fort en jeune, il était champion de France, enfin, il gagnait tout. Donc c'était un peu l'exemple à suivre quand on était petit et même après, sur le circuit futur et tout, je ne l'ai jamais battu. Donc j'espère que demain, je vais tout faire pour que ça soit différent, mais voilà, c'est cool qu'on joue là, en demi ici. Lui, il a un peu galéré ces derniers temps. Donc, il remonte bien au classement, là, il joue très bien, j'ai regardé ses matchs cette semaine, il a battu des bons joueurs, donc ça a fait un bon match et voilà, c'est cool qu'on puisse se jouer demain. Merci à toi. Merci.